Vincent. Voilà, on découvre les images et toutes les chambres, vous allez nous expliquer ça, toutes les pièces sont différentes. Ce qu'il faut faire, je crois, surtout, c'est de ne pas craindre de se lancer dans un design qui n'est pas forcément normatif, qui n'est pas le design international qu'on voit partout. Nous, nous avons privilégié ce que j'appellerais une certaine transgressivité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mieux de travailler comme ça dans un environnement, quand on est un salarié? Oui. On se sent vraiment très à l'aise. Un peu particulière. On a de la chance, le livre, c'est un objet qui est en soi médiatement beau. Je voulais que ce soit une librairie emblématique dans le paysage des librairies bourgeoises, je voulais que ce soit une librairie originale, qui ne soit pas formatée avec du mobilier préconçu, etc., etc. À l'origine de beaucoup de projets, il faut convaincre un banquier qui souvent est la propriété de l'argent. Et la Caisse d'Épargne est là pour ça, avec notre réseau d'agences sur le centre-ville. C'est un concours, c'est concours commerce design. Donc l'objectif à partir de demain, c'est d'inciter les visiteurs, les touristes, les clients, mais aussi les strasbourgeois à voir, découvrir, redécouvrir leur ville.